Allô, c'est Irène. Ah, ton micro est coupé. Alors, on t'entend faiblement, sœur Irène. D'accord. J'étais en train de dire que, en fait, tu as au départ, quand tu as commencé à parler, tu as commencé à tenir un langage spirituel qui était en décalage complètement par rapport à nous tous. Est-ce que tu as fait attention? Non? Tu n'as pas fait attention? Ah, d'accord. Bon. Je vais mettre le doigt là-dessus. En fait, quand tu es arrivé, tu saluais tout le monde en disant bonjour ma soeur, bonjour ma soeur, bonjour ma soeur. Et après, je crois que tu as dû entendre les autres dire bonsoir et tu as commencé à dire bonsoir aussi. Bon, c'est toi qui étais dans la vérité. En fait, nous sommes sur la terre et toi tu es dans le ciel. Parce qu'en fait, il n'y a pas de soir au ciel. D'après la parole de Dieu, il n'y a pas de soir là-bas. Tu vois? Toi, tu disais bonjour, vraiment, le langage céleste. Nous, on est sur la terre, il fait nuit, il fait jour, et ainsi de suite. Donc, on dit bonjour, bonsoir, ainsi de suite. Mais toi, tu as dit bonjour. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le langage céleste parce que là-bas, il n'y a pas de nuit. Regardons un peu dans Apocalypse chapitre 22. En fait, quand j'ai entendu dire ça, ça a attiré mon attention et j'ai commencé à regarder dans la parole. Apocalypse chapitre 22. Parce que le Seigneur a dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Donc effectivement, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et lorsque nous sommes là-bas, comme dit aussi Éphésiens chapitre 2 verset 6, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes en Christ. Donc en fait, assis là-bas, nous sommes dans la présence de Dieu, dans l'éternité déjà, et c'est le langage de l'éternité, le langage céleste. Regardons Apocalypse 22. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit aussi que dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, il dit, je vous écris ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le frère Georges avait une fois partagé sur ce qu'est la vie éternelle. Donc, il dit que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas que nous allons l'avoir. Nous avons la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, celui qui est dans la foi a déjà la vie éternelle et la manifeste déjà, étant ici sur la terre. D'où, effectivement, dans ton langage, il peut avoir le langage céleste, le langage de la vie éternelle déjà, alors que tu es encore sur la terre. Donc, Amen. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 1, il est écrit, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Nous sommes dans le ciel, dans la Jérusalem céleste, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, la Jérusalem d'en haut, et sur les deux bords du fleuve se trouvait l'arbre de vie
qui produit 12 récoltes. L'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Voilà dans le verset qui nous intéresse. La nuit ne sera plus. Ah, plus de bonsoir. C'est fini le soir. La nuit ne sera plus. Et ils n'auront besoin ni de lumière d'une lampe, ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Donc, il fera jour tout le temps parce que Jésus est lumière, en fait. Donc, on sera tout le temps dans le jour. D'où le bonjour, en fait. On sera tout le temps dans la lumière. Donc, le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc, au siècle des siècles, ça sera de cette façon-là. Pas de nuit, la lumière du Seigneur éclaire à tout moment. Amen. Il y a également un passage si nous prenons dans Hébreux chapitre 4 Hébreux chapitre 4 qui parle en fait du jour du repos qui est lorsque nous entrons au travers de la nouvelle naissance, nous entrons dans le royaume de Dieu, nous entrons dans le repos de Dieu et il parle d'un jour. Donc si on prend Hébreux chapitre 4 à partir du verset 4, Hébreux 4, 4. Car il a dit quelque part à propos du septième jour. Donc, il parle du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et de nouveau dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entraient pas à cause de leur incrédulité. Donc, le sabbat de Dieu, qui était le septième jour dans l'Ancien Testament, était une image, en fait, puisque la Bible nous dit bien que l'ancienne alliance, l'Ancien Testament même est l'ombre des choses à venir. Donc, le septième jour qui était le jour du repos, le Shabbat pour les Juifs, était une image en fait de la nouvelle naissance. Parce qu'au travers de la nouvelle naissance, on entre dans le repos de Dieu. Donc, ensuite, maintenant, il dit, le septième jour se repose de ses œuvres. Verset 6, pardon. Ainsi, puisque certains... Non, verset 7 maintenant. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un soir qu'il fixe, un jour. Et c'est aujourd'hui. En disant, bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il parle de la nouvelle naissance. Donc, au travers de la nouvelle naissance, on entre dans le jour de l'éternité. Un jour nouveau, ce qui était l'image du sabbat dans l'Ancien Testament, du Shabbat. Mais la nouvelle naissance nous introduit dans la vie éternelle, dans le jour nouveau. En fait, parce que ce jour nouveau qui commence par notre nouvelle naissance, en fait, il fera toujours jour dans notre vie. D'où le bonjour.
Nous continuons toujours dans le langage céleste. Alors, la nouvelle naissance, c'est un jour nouveau. Et tout ça, c'est lié à la lumière, en fait. Donc, on a également... Prenons aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il y a beaucoup de choses. Hein. Parfois, on peut dire quelque chose comme ça, on ne se rend pas compte de toute la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Et tout ça, c'est lié au fait que le Seigneur est lumière. Tout part de là. Il est lumière et le jour est le reflet de la lumière. Le soir, c'est quand la lumière est tombée. Donc, il y a un peu de ténèbres. On dit bonsoir. Bon, c'est le soir, il n'y a plus de lumière, il y a quand même les ténèbres. Le soir, c'est un mélange de lumière et de ténèbres. La nuit, c'est quand il y a totalement plus de lumière et là, on est complètement dans le noir. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Regardons. Pour ce qui est des temps et des moments, donc avant au chapitre 4, il parlait de l'enlèvement, le retour du Seigneur. Donc maintenant au chapitre 5, il dit pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Donc si on entend que Jésus va revenir en septembre 2015 ou bien ainsi de suite, ça c'est sûr que ça ne peut pas venir de Dieu parce que c'est écrit ici qu'on ne doit pas nous en écrire là-dessus. Donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Regardons, le voleur lui vient la nuit. C'est dans la nuit, le soir, que les œuvres mauvaises se font. Poursuivons. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Donc, continuons. Entre guillemets, la péridurale ici, là, ça annulerait ce verset si on avait partagé là-dessus. Hein. Bon, ce n'est pas le sujet. Verset 4. Mais vous, frères, regardons donc ceux qui sont frères, ceux qui sont assis dans les lieux célestes. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres. Dans le soir, il y a les ténèbres. Donc, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des fils de la lumière. C'est dans la journée qu'il y a la lumière. Vous êtes des fils de lumière. C'est pour ça que dans le ciel, là-bas, il n'y a plus de nuit. Donc, on ne veut même plus entendre parler de la nuit des ténèbres, non, même en image, il n'y a plus de ténèbres là-bas. Donc vous êtes de la lumière et fils du, regardons ce qui est écrit, fils du jour. C'est pour ça que ma soeur disait bonjour tout à l'heure, parce qu'elle est fille du jour. Je ne dis pas que c'est interdit de dire bonsoir. Je suis juste en train de dire que conduit par le Saint-Esprit, elle a parlé un langage qui est dans la parole de Dieu, bibliquement. C'est vraiment un langage céleste. Donc, fils du jour. Donc, derrière, si quand on dit bonjour, derrière, on a l'image du fait que le jour, c'est la représentation de la lumière du Seigneur. Et que nous devons toujours vivre dans la lumière, marcher dans la lumière, être dans la lumière du Seigneur, gloire au Seigneur. Derrière le bonjour, là, si on met tout ça dedans, c'est exactement ce que le Seigneur, lui, nous montre par l'image du jour. Du fait qu'on soit toujours dans la journée. On a vu dans Apocalypse chapitre 22 que le fait qu'il n'y ait plus de nuit, c'est parce que le Seigneur est là et qu'il est lumière. Il est présent dans la cité céleste et comme il est lumière, c'est lui qui éclaire la cité. Donc, il ne peut plus avoir de nuit. Or, nous sur la terre, donc quand le soleil est là, nous sommes en journée et après c'est la lune qui vient. Là, on tombe dans la nuit. Donc, en fait, tous ces astres-là sont
Dans le ciel, on n'aura plus besoin, comme on a dit, de ces astres-là, parce que le Seigneur sera le seul astre. D'ailleurs, je crois, astre radieux, ça sera lui qui va nous éclairer, et il va éclairer en tout temps. Il n'y a pas à un moment donné où, comme le soleil fait place à la lune, non, le Seigneur, lui, ne va jamais partir pour laisser une part de nuit, de ténèbres. Non, ça sera tout le temps la lumière. Nous sommes fils du jour. Et il répète encore, même comme il dit, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Dans le bonsoir, là, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas, nous, on n'a pas de soir. On est tout le temps le jour parce qu'on est dans la lumière. Donc, et ensuite, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc, en fait, ce qu'il y a derrière le jour, ce n'est pas juste un langage lié au domaine physique. Il ne faut pas voir ça comme un langage lié au domaine physique. C'est vraiment une réalité spirituelle qui est derrière. Et la réalité spirituelle, c'est la notion de la lumière du Seigneur dont nous sommes en train de parler. Et il est dit, par exemple, ici, là, la nuit, on associe au sommeil. On associe donc à l'inactivité. On associe ça à la paresse. Parce que quand tu dors, tu n'es pas productif. Tu ne sers pas à grand-chose pour le royaume des cieux quand tu dors. À la fois physiquement et spirituellement, les deux. Donc ici, il dit, ne dormons donc pas, mais veillons et soyons sobres. Donc quand je dis bonjour, derrière mon bonjour, il fait jour. Donc, ce n'est pas le temps de m'endormir. Ça, c'est d'abord dans le langage physique. On a cette réalité-là. Mais dans le langage spirituel, qui est le plus important derrière, c'est que quand je dis bonjour, ça veut dire mes frères, mes soeurs, ne dormez pas, il fait jour. Veillez, il fait jour. Ce n'est pas le moment de s'endormir spirituellement. Tout ça, c'était dans le bonjour de notre sœur Irène. Elle ne s'en est pas rendue compte, mais tout ça, c'était dedans. Quand elle dit bonjour, ça veut dire, mes frères, mes sœurs, il fait jour, ce n'est pas le temps de s'endormir spirituellement. C'est le temps d'être éveillé, parce qu'en journée, on ne dort pas. On est debout, on est éveillé, on est actif. On est comment dire, dans le travail du royaume de Dieu. On est dans la consécration au Seigneur. On n'est pas en train de dormir spirituellement. Donc, c'est ça qu'il y a derrière ce bonjour-là. Donc, ceux qui dorment, dorment la nuit. Donc, on nous dit encore ça. Donc, si je dis bonsoir, bon, ok, bon, le soir, on peut s'endormir. Donc, on peut dormir spirituellement, ainsi de suite. C'est pour ça que je disais que nous, on était sur la terre et notre sœur, elle est dans le langage céleste. Donc, ceux qui dorment, dorment la nuit. Donc, c'est quand nous sommes dans les ténèbres, quand il y a un peu de ténèbres dans notre vie, là, on peut s'endormir spirituellement. Mais si nous vivons dans la pleine lumière, ben, dans la journée, il y a pas, vous ne pouvez pas dormir comme ça au zénith du soleil, sous le zénith du soleil, non. Quand il y a la pleine lumière, on est debout et on est actif, on n'est pas en train de dormir. Donc, de la même manière, quand on marche dans la lumière du Seigneur, en fait, la lumière du Seigneur nous éclaire sur les besoins qui sont là, du royaume de Dieu, sur lesquels il faut travailler. Mais si je ne vois pas ces besoins-là devant moi, ça veut dire que quelque part, soit je suis endormi, soit je suis éveillé, mais dans les ténèbres. Donc je ne vois pas ces besoins-là, je ne vois pas ce qu'il y a à faire. À la limite, je risque même de m'ennuyer dans le royaume des cieux. Quand je parle du royaume des cieux, je parle de l'Église, hein. Donc, je risque de m'ennuyer dans l'église, je regarde, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je me tourne en rond, je tourne en rond, et à force de tourner en rond comme ça, je vais commencer à me donner du travail que Dieu ne m'a pas donné. Je vais commencer à critiquer celui qui fait, je vais critiquer l'autre, je vais dire ça c'est mal fait, l'autre n'a pas fait ceci, je vais dire mon frère ceci, lui il est comme ça, l'autre est. Donc, je vais trouver du temps pour des œuvres ténébreuses. Parce que je suis dans les ténèbres et je n'ai pas de lumière pour voir ce qu'il y a à faire qui est de la lumière. Donc le fait d'être dans les ténèbres, voilà comment en fait voilà ce que ça peut produire dans ma marche spirituelle.
concrètement, parce que je ne vois pas, je ne suis pas dans la lumière pour être éclairé et voir quels sont les besoins réels du royaume de Dieu qui sont là, ben je vais voir dans les ténèbres et puis je vais commencer à produire des œuvres qui ne sont pas de la lumière. Donc, poursuivons. Donc, ceux qui dorment, dorment dans la nuit. C'est le soir, c'est le bon soir. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit aussi. Donc, on voit que la nuit, il y a beaucoup de mauvaises choses. Donc, à ténèbres, à soir est associé ce qui est ténébreux. Un, le sommeil spirituel, c'est associé à ça. Et deux, les œuvres ténébreuses aussi, les œuvres qui ne sont pas de la lumière aussi, sont associées à la notion de la nuit, associées à la notion du soir, bonsoir. Donc, il y a tout ça là-dedans. Donc, mais, il répète ça encore une deuxième fois, verset 8. Mais nous, nous sommes du jour, de la journée. C'est pour ça qu'on dit bonjour. C'est pour ça que la sœur disait bonjour. Nous, nous sommes du jour. Donc, aux gens du jour, elle souhaite bonjour. Oui, au monde, tu peux dire bonsoir. Parce que, oui, de toute façon, ils sont dans les ténèbres. Donc, on peut leur dire bonsoir. Ils sont dans le soir. Il n'y a pas de lumière. Mais à ceux comment dire, du royaume, parce que ça a commencé ici, mais pour vous, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Donc, pour les frères, c'est le langage de la lumière, c'est le langage du jour, c'est le bonjour. Donc, mais, verset 8, nous qui sommes du jour, soyons sauves. Donc, il explique c'est quoi être du jour. Donc, quand la sœur dit bonjour, c'est une manière de nous encourager à être comment? Sobre. Parce que ceux qui sont du jour, voilà comment ils le montrent. Ils montrent qu'ils sont du jour avec des œuvres de la lumière. C'est être sobre. C'est avoir la foi. Revêtons la cuirasse de la foi. Alors si je manque de foi, c'est qu'il y a des ténèbres aussi en moi. Et de l'amour. L'amour, la foi, la sobriété, voilà les œuvres de la lumière qui montrent que quelqu'un est dans le jour. Donc quand on dit bonjour dans le langage céleste, d'après ce que la sœur a dit, bonjour, c'est soyons davantage sobres, soyons davantage dans la foi, manifestons davantage l'amour du Seigneur. Tout ça sont les œuvres du jour, sont les œuvres de la lumière. Et le casque du salut, de l'espérance du salut. Donc, ce n'est pas le moment de commencer à douter sur mon salut, à douter que je suis sauvé. Ce n'est pas le moment de jouer avec mon salut. Donc, tout ça, c'est dans le jour. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lumière. Qui nous assure cette lumière-là? Donc, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons, c'est-à-dire nous sommes dans la lumière du jour ici, soit que nous veillons, soit que nous dormions. Là, il ne s'agit pas du sommeil physique dont on parlait avant là. Il s'agit ici, là, de la mort en Jésus-Christ. Quand il parle de dormir, c'est être mort en Jésus. Je crois que 1 Thessaloniciens 4 parle aussi de ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Quand il parle de l'enlèvement, il dit en effet, 1 Thessaloniciens 4, 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus. Et avec lui, ceux qui se sont endormis, c'est de ce sommeil-là dont il parle. Il parle de ceux qui sont morts en Christ. Il parle d'endormis, pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas morts. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 11, verset 26, verset 25, autant pour moi, celui qui croit en moi ne... Je vais le lire exactement. Ce que le Seigneur, je suis la résurrection et la vie, je crois que c'est ce que le Seigneur a dit. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc, voilà pourquoi celui qui est en Christ a la vie éternelle et on ne parle jamais de mort. On parle de, il s'est endormi pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va se réveiller pour l'enlèvement. Donc, ici,
Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il parle ici, là, dans le verset 10 de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc, qui est mort afin que soit que nous veillons, donc nous sommes encore là dans le jour, étant ici sur la terre, travaillant pour le royaume des cieux dans la lumière, manifestant les œuvres de la lumière, c'est ça, veiller. Soit que nous dormions, c'est-à-dire que nous sommes morts en Christ, nous vivions ensemble avec lui. Est-ce que nous voyons vivre ensemble avec Christ? C'est ce que nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 22. C'est être dans la lumière permanente, en fait. C'est ça. Parce que la présence de Christ, c'est la lumière. On a dit qu'il éclairera toute la ville. Toute la ville. Donc, imaginons un peu dans Jean chapitre 14, verset 23, où le Seigneur dit, gloire à Dieu. Gardons un doigt dessus. Allons encore lire maintenant. C'est profond, toutes ces paroles-là. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. C'est fort. C'est vraiment fort. C'est tout ce qu'il y a derrière. Jean chapitre 14, verset 23. Il est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. Waouh! Nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ferons notre demeure en lui. Regardons un peu. Ça, c'est Christ qui vient faire sa demeure à l'intérieur de nous. Christ habite à l'intérieur de nous. Dans Apocalypse chapitre 22, mettons ça en face l'un de l'autre. Apocalypse chapitre 22, je vais relire ce que nous avons déjà lu tout à l'heure là. Verset 5. Apocalypse 22, verset 5. La nuit ne sera plus. Et ils n'auront besoin ni de lumière d'une lampe, ni la lumière du soleil. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ça, c'est ce qui va se passer physiquement dans la Jérusalem d'en haut. Mais déjà ici sur la terre, quand Christ est dans mon cœur, je suis déjà éclairé de la pleine lumière qui dépasse la lumière du soleil dans mon cœur. Mon cœur est éclairé, mon temple que je suis est éclairé de l'intérieur par la lumière de Christ. Donc je ne dois pas manifester des œuvres ténébreuses. Si Christ habite en moi et il est lumière parce qu'il fait resplendir la lumière de l'intérieur. C'est quand même contradictoire en fait que un enfant de Dieu puisse avoir par exemple sur ses lèvres de belles paroles, ma sœur, je t'aime, oh que Dieu te bénisse, ainsi de suite, et dans le cœur penser autre chose, la duplicité, l'hypocrisie. Dans le cœur, il pense autre chose, mais dans la manifestation verbale ou les actes, la gestuelle, il fait autre chose. C'est très très étonnant. Pourquoi? Parce que normalement, dans le cœur, il est censé avoir la lumière. Christ a dit, nous viendrons faire notre demeure en lui, dont la lumière est dedans. Donc normalement, c'est l'intérieur même qui devrait être dans le scintillement de lumière. L'intérieur devrait être pur. Et c'est même à l'extérieur qu'il pourrait, parce que Christ a dit, nettoyez d'abord premièrement l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi soit propre. Donc c'est le rayonnement, la brillance, la lumière de l'intérieur qui rend l'extérieur propre. Donc l'extérieur peut
mettre du temps un peu à devenir propre parce qu'il ne reçoit pas toute la lumière de l'intérieur. Mais ça ne devrait pas être le contraire. C'est-à-dire que je ne peux pas manifester à l'extérieur des signes de lumière alors qu'à l'intérieur de moi, ce sont des ténèbres. Ça, c'est terrible, en fait. C'est vraiment terrible. C'est-à-dire que dehors, je dis, ah, ma soeur, wow, vraiment que Dieu te bénisse. On va prier pour toi. On va... Alors qu'à l'intérieur, je dis, oh, ben, si Dieu pouvait même l'oublier davantage. Si vraiment elle pouvait souffrir même davantage, ou alors je suis indifférent complètement. Pourtant, je suis là, ah, ma soeur, sois bénie, ainsi de suite, alors que mon cœur est sec par rapport à mon frère, ma soeur. Non! Non! Le Seigneur dit, nettoie premièrement l'intérieur. C'est pour ça que Christ vient habiter d'abord du temple, à l'intérieur, pour amener la lumière du jour dans le cœur, à la racine. Et quand la lumière est à l'intérieur maintenant, ça brille tellement à l'intérieur qu'elle ne peut pas rester cachée à l'intérieur. Comme le Seigneur dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire. Donc Christ vient d'abord à l'intérieur, il éclaire d'abord nos ténèbres dedans, dans le cœur. Là où il a dit dans Matthieu chapitre 15 que c'est du cœur que viennent les mauvais désirs, les meurtres, les adultères, tout ce qui est ténébreux, ça vient de l'intérieur. Voilà pourquoi Christ est venu habiter dedans pour éclairer ce qui est ténébreux dedans. Afin que maintenant, une fois que l'intérieur est éclairé, l'extérieur aussi commence à manifester vraiment la lumière. Donc, je peux tellement aimer ma sœur Salomé, dans mon cœur, je bouge d'amour du Seigneur pour ma sœur. Mais à l'extérieur, je ne sais pas encore comment lui exprimer ça. Je ne sais pas encore comment lui dire. C'est normalement comme ça que ça doit se passer, hein. Et maintenant, progressivement, j'apprends à l'exprimer à ma sœur, à le manifester, et ainsi de suite. Mais bien souvent, c'est le contraire qu'on constate. Oh, ma sœur chérie, que Dieu te bénisse, ainsi de suite. Maintenant, si on va creuser dans mon cœur, on me demande, qu'est-ce que tu as vraiment dans le cœur vis-à-vis de ta sœur? Sec, si Dieu peut l'oublier, si vraiment elle peut souffrir davantage, si son désert peut durer encore des années. Et c'est comme ça, malheureusement, que nous avançons. Et c'est ça que Jésus reprochait aux pharisiens. Il leur disait, tombeau blanchi. À l'extérieur, vous êtes propre, mais à l'intérieur, c'est des ossements, tels qu'il parlait, la rapine à l'intérieur. Donc le Seigneur, lui, là, il a compris que le problème vient de dedans. Le problème vient de l'intérieur. Dans Matthieu 5, il va dire, vous avez entendu dire que si tu ne commettras point adultère, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, si tu regardes la femme de ton prochain, pour la convoiter, tu as déjà commis adultère. Donc, c'est dans l'intérieur du cœur qu'il vient sanctionner le péché. C'est dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur qu'on est censé avoir reçu la lumière déjà. Et maintenant, comme j'ai la lumière à l'intérieur de mon cœur, mais je ne vais pas voir la femme de mon prochain et la convoiter. Je ne vais pas aller lui faire, je ne vais pas manifester l'acte extérieur d'aller lui faire les avances. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'ai déjà la lumière. Je sais que ça, c'est la femme de mon prochain. Et comme j'aime mon prochain, je ne vais pas convoiter sa femme. C'est déjà vrai dans mon cœur. Donc l'extérieur ne va pas produire ça. Ne va pas produire ce fruit-là. Donc voilà vraiment tout ce qu'il y a derrière la lumière. Le Seigneur est parti à la racine des ténèbres pour s'installer, pour amener la lumière, pour amener l'éclairage dedans. C'est dedans qu'il ramène l'éclairage. Regardons Matthieu chapitre 23. J'ai cité, mais je n'ai pas donné la référence. Matthieu chapitre 23, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Matthieu chapitre 23. Ça fait beaucoup de déséquilibre dans la marche des enfants de Dieu. Nous sommes beaucoup déséquilibrés. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'abord de blanchir l'extérieur.
Oh ma sœur, que Dieu te bénisse. Oh ma sœur chérie, oh ma sœur bien-aimée chérie, on rajoute plein de mots dedans. Mais dans la pratique, est-ce que dans le cœur, c'est vraiment la sœur chérie? Je ne sais pas. Si j'ai vraiment une sœur qui est chérie, ça se verra dans la pratique, de manière concrète. On verra les œuvres qui vont avec ce chéri-là. Ce n'est pas un chéri de bouche comme ça, théorique, non. Alors que le cœur est sec par rapport à ça. Si le chéri vient du cœur réellement, il y a des actions. Il y a des œuvres qui le montrent, qui le prouvent. Il y a une manifestation pratique de cet amour. En ceci, Dieu prouve son amour. Lorsque vous étiez encore des pécheurs, Christ est mort pour vous. Romains 5, verset 8. Ça se prouve, cet amour-là. Le sentiment que je manifeste par les paroles se prouve. Et ça montre que ça vient de la lumière qui est à l'intérieur de moi. Et ça se voit aussi le jour où j'ai un différend, des problèmes avec mon frère, ma soeur. C'est la lumière qui est à l'intérieur de moi vis-à-vis de mon frère, de ma soeur. La pureté du sentiment qui est à l'intérieur de moi, c'est ça qui va se manifester. Le jour où il y aura un différend entre nous, c'est ça, la lumière là, c'est ça qui va venir. Mais s'il y avait des ténèbres vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, mais dès qu'il y aura la moindre difficulté comme ça, whoop, je vais manifester l'œuvre des ténèbres qui était déjà dans mon cœur vis-à-vis de mon frère, de ma soeur. Ça va se manifester à l'extérieur. Je vais mettre une croix sur cette personne-là. Je vais dire, allez, toi, banni complètement de mon cœur. Ça montre vraiment que l'évangile que nous avons, que nous pratiquons, n'est pas comme dans l'ordre que le Seigneur lui l'a établi. La lumière à l'intérieur, n'oublions jamais, la lumière est d'abord dedans. Elle est à l'intérieur du cœur et ensuite, maintenant, elle se manifeste. Regardons, nous sommes dans Matthieu 23. Je vois que dès que je lance les yeux comme ça, mes yeux tombent. Malheur, 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 malheur. C'est Jésus qui parle. Et il y a plein de malheur, 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 malheur là que je vois. Bon, ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 25. Il dit, malheur à vous. Matthieu chapitre 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Qu'est-ce qu'il y a dans hypocrite? Dans hypocrite, c'est qu'il y a une opposition entre l'intérieur et l'extérieur. Je manifeste quelque chose qui est beau à l'extérieur, quelque chose qui semble être lumière à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, ce sont des ténèbres. Comment est-ce que les ténèbres à l'intérieur peuvent produire la lumière à l'extérieur? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est pour ça qu'il parle d'hypocrisie. Parce que à l'intérieur, si c'est la lumière, ça produit aussi la lumière à l'extérieur. C'est la lumière qui va jaillir à l'extérieur. Mais si ce sont les ténèbres à l'intérieur, à l'extérieur, logiquement, ce sont les ténèbres qui doivent arriver. Mais l'hypocrisie, c'est quand à l'extérieur, on a apparemment la lumière, mais qui est produite par les ténèbres. Et il y a les ténèbres dedans, mais à l'extérieur, on montre la lumière. C'est ce qui ne se peut pas. Donc là, vraiment, on entre dans le domaine de l'hypocrisie. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Là, on est dans le bonsoir. Hypocrite parce qu'il y a les ténèbres quelque part. Là, on est soir. Moitié lumière, moitié ténèbres. Lumière à l'extérieur, ténèbres derrière. Ça, c'est bonsoir. En réalité, pour le Seigneur, il n'y a pas moitié-moitié. C'est soit la lumière, soit les ténèbres. C'est pour ça qu'il dit, puisses-tu être froid ou bouillant. Si tu es tiède, je te vomirai. Si tu es moitié lumière, moitié ténèbres, c'est à vomir. Si tu es complètement dans les ténèbres, il faut que Christ t'éclaire. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Pourquoi? Parce que quand tu dors, tu es dans la nuit. Tu es dans les ténèbres. Il faut que la lumière de Christ, le jour, le bon jour de Christ, vienne pour éclairer tes ténèbres, afin que tu sortes de ton sommeil.
Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Je crois que c'est Éphésiens chapitre 5. Je dis à peu, je risque de ne pas lire ça. Gardons le doigt sur Matthieu 23. Éphésiens chapitre 5. Voilà. Chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Le sommeil spirituel, c'est la mort. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, la lumière du Seigneur viendra pour éclairer tes ténèbres. Donc, dans le sommeil, il y a la notion, il y a les ténèbres. C'est pour ça, quand on dort, c'est difficile de dormir dans une chambre avec la lumière. Quand on veut dormir, on éteint, on entre dans les ténèbres et on s'endort. Même le domaine physique nous enseigne la réalité spirituelle. Donc, le sommeil spirituel est toujours associé aux ténèbres. Si tu as du mal à prier, si tu as du mal à jeûner, si tu as du mal à aimer ton prochain, si tu as du... sache qu'il y a les ténèbres quelque part dans ta marche. Il faut que tu ôtes ces ténèbres-là. Si tu as du mal à mettre la parole de Dieu en pratique, elle est lumière, c'est qu'il y a des ténèbres quelque part. Et ces ténèbres-là doivent être éclairées par la lumière de Christ qui est sa parole. Encore, la lumière est venue au milieu des siens et les siens ne l'ont pas reçue. Ils ont refusé la lumière de Christ. Ils venaient avec le jour, ils venaient avec le bonjour. On a non, non, moi on ne veux pas ce jour-là. D'ailleurs, une autre image me vient à l'esprit. Lorsqu'on a crucifié Jésus à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 heures de temps, quand il y a eu le combat spirituel, la terre entière a été dans les ténèbres. Il faisait nuit. Parce que le maître qui est lumière était en train de s'éteindre à la croix. Donc, en s'éteignant comme ça, en un instant, dans les ténèbres là, on a vu quelle est la noirceur du péché du monde entier. Que Christ était en train d'éclairer en mourant à la croix comme ça. C'est ça les 3 heures de ténèbres. Le combat spirituel qu'il y avait à la croix pour les péchés de l'humanité. Revenons dans Matthieu chapitre 23. Nous sommes au verset 25. Nous étions en train d'expliquer l'hypocrisie. Pourquoi il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Maintenant, on a expliqué, hein, mais Jésus le dit encore. Il lui le dit littéralement. Il dit parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat. Parce que à l'extérieur, vous manifestez une lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière de Christ que vous manifestez. C'est une lumière artificielle. Que Dieu te bénisse, je ne le pense même pas. Ma soeur, sois fortifiée, je ne pense pas un seul mot dans mon cœur. Oh, je ne sais pas, toutes les belles paroles religieuses que nous avons dans nos bouches, alors que le cœur est froid, le cœur est sec. Le cœur n'en a rien à faire de ce que la bouche est en train de prononcer. C'est ça là qu'il appelle ici l'hypocrisie, purifier l'extérieur. Donc on habille bien. Et ça, c'est très chrétien ça. On habille l'extérieur bien beau, c'est très beau. Mais le jour où il y aura un petit différent entre vous comme ça, ce qui était beauté à l'extérieur va se ternir en un instant. Tu vas te demander, mais comment ça c'est possible? En fait, en réalité, ça ne se ternit pas en un instant. C'est que ça révèle juste ce qui était à l'intérieur du cœur. Ce sont les ténèbres qui étaient cachées dehors, qui sortaient à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est ce que les pharisiens manifestaient à Jésus. Maître, ceci, quand il venait poser des questions à Jésus, il venait avec une apparence de des gens qui voulaient apprendre. Maître, les pharisiens disent qu'on a surpris cette femme adultère. La loi dit qu'on doit la crucifier. Toi, que dis-tu? Donc, ils viennent vraiment comme s'ils veulent apprendre. Ils viennent vraiment avec l'apparence sincérité de quelqu'un qui veut savoir la vérité, de quelqu'un qui veut apprendre, alors que
à l'intérieur, il venait poser des peaux de banane au Seigneur afin qu'il tombe et qu'on le condamne, qu'il y ait des motifs de condamnation et afin qu'il soit crucifié. C'est ça qu'il venait chercher. Donc, lui, il disait dans leur cœur, il disait, hypocrite. Hypocrite, ce que vous êtes en train de faire là. Vous ne pensez pas une seule minute dans votre cœur ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous purifiez l'extérieur. Veillons à ce que il vaut mieux que mon extérieur soit maladroit. Ça révèle que mon intérieur est aussi maladroit. Et que l'extérieur va se purifier au fur et à mesure que mon intérieur se purifie. Mais si je manifeste à l'extérieur tous les signes de pureté, ainsi de suite, et que dans mon cœur c'est autre chose qu'il y a, là je suis dans la confusion complète, je suis dans le cas de l'hypocrisie dont parle le Seigneur ici. Donc, parce que vous purifiez l'extérieur, le dehors, parce que vous purifiez, pardon, le dehors de la coupe et du plat, alors que qu'en dedans, à l'intérieur où la lumière du Seigneur est censée être, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Et c'est ça dont nous parlons, qui est l'hypocrisie. C'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a les ténèbres, mais à l'extérieur, ça a l'air beau, ça a l'air éclairé, ça a l'air d'être des œuvres de lumière. Pharisiens, donc, regardons. Quand on est dans l'hypocrisie, le Seigneur appelle ça être aveugle. Pourquoi? Parce que des fois, quand on fait ça, tu penses que c'est à ton frère que tu es en train de mentir. Mais en fait, c'est à toi, tu te mens toi-même. Parce que tes œuvres sont exposées devant le Seigneur qui est lumière. Ton cœur est comme un livre ouvert devant Dieu. Donc tu ne peux pas mentir à Dieu là-dessus. Ça peut paraître beau devant les autres, alors que c'est ténèbres pour le Seigneur. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 3, il est dit que les œuvres de chacun passeront au travers du feu. Le feu de la lumière du Seigneur, là où on ne pourra pas, on ne pourra pas frauder. Ça passera à la lumière. Et si l'œuvre de quelqu'un subsiste, oui, cela lui sera, comment dire, cela lui sera accordé. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, effectivement, que lorsque les œuvres vont venir se présenter comme ça à la lumière du Seigneur, là, la vraie lumière du Seigneur va venir. Ah, j'avais donné tellement d'argent aux pauvres dehors, j'avais donné à manger à tout mon village, le Seigneur va dire, bah, ok, d'accord, tu as fait ça maintenant. Quelle était la motivation du cœur qui faisait ça? Pap, 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 tu vois comment toutes tes œuvres sont balayées du revers de la main parce que la motivation du cœur était mauvaise. C'était peut-être parce que pour que les gens disent que, ah, tu as fait ceci, ah, il a fait ceci, ah, pour prendre la gloire, l'honneur des hommes, terminé. Il n'y a pas la gloire de Dieu là-dedans. Là, c'est ça qui est ta récompense. Le Seigneur vient consumer. Mais si tu as fait ça par amour pour Dieu, par amour véritable pour ton prochain, pour la nécessité que tu vois ton prochain avoir, parce que tu sais que ça va réjouir le cœur de ton prochain. Selon le commandement qui dit aime ton prochain comme toi-même, parce que tu sais que toi-même tu aurais aimé qu'on te fasse ça. C'est ce que le Seigneur nous dit, Matthieu chapitre 7, verset 12. Il dit tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites de même pour les autres. Donc si tu as fait ça, parce que si toi tu étais dans la situation, tu aurais aimé qu'on te fasse ça, gloire au Seigneur. Cette œuvre-là glorifie le nom du Seigneur parce que c'est vraiment l'application de la parole de Dieu. Comme il a dit dans ce verset-là, aime ton prochain comme toi-même, c'est la loi et les prophètes. C'est la totalité de la parole de Dieu qui est là-dedans. Bon, ça a l'air figé, je ne sais pas si on m'écoute encore. Allô? Allô, allô, allô? Dieu te bénisse Oui, abondamment. que les œuvres sont balayées par le Seigneur. D'accord. Amen. Amen. Donc,
Là-dedans, j'étais en train de dire que les œuvres que nous produisons, à un moment donné, la lumière du Seigneur va devoir passer dessus et donc va sonder les motivations. Donc le Seigneur ne va pas simplement voir à l'extérieur comme ça, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que c'est une belle œuvre ou c'est une mauvaise? Non. Il va voir qu'est-ce qui a motivé cela. Est-ce que c'est l'amour du prochain? Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Parce que les deux premiers commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si la motivation en allant, je sais pas, visiter ton frère, en allant apporter, faire un don à ton frère, en allant assister ta sœur, ainsi de suite, si la motivation qui est dans ton cœur, c'est qu'on dise que tu as fait, c'est que ta récompense est déjà là. C'est les hommes qui vont te donner ta récompense parce qu'ils vont dire, ah, il a fait ça, wow, gloire à Dieu. Et c'est ça, c'est ta récompense. Mais si par contre, tu l'as fait par amour pour le prochain, parce que le Seigneur a dit dans sa parole, Matthieu chapitre 7, verset 12, tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites de même pour le prochain. C'est ça, en fait, aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est la loi et les prophètes. C'est toute la parole de Dieu qui est résumée dans ce commandement-là. Donc, si ta motivation, c'était que, oh, quand je vois un tel dans telle situation, si moi je traversais cette situation-là, j'aurais aimé qu'on prie pour moi. Je prie pour lui. Donc, si ça, c'est ma motivation, gloire au Seigneur. Là, cette œuvre-là est vraiment inspirée de l'amour de Dieu. C'est une œuvre qui va subsister à la lumière de Dieu parce qu'elle est inspirée de la lumière du Seigneur qui est en moi. L'amour du prochain. Faire à mon prochain ce que j'aurais aimé qu'il me fasse. Donc, tout ça là, c'est le contraire de l'hypocrisie. Donc, ici, nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 23, verset 25. Il dit, à l'intérieur, c'est plein de rapines et d'intempérance. Et il associe cela à la cécité spirituelle, donc à l'aveuglement spirituel. Donc, si je suis un hypocrite, je suis aveuglé spirituellement. Pourquoi? Parce que je crois que, en fait, ce que je fais, il n'y a que moi qui sais. Parce que c'est dans mon cœur. Alors que le Seigneur, il sait très bien ce qui est dans mon cœur. Donc, je suis un aveugle spirituel parce que je pense, en fait, que je trompe mes frères et mes sœurs qui sont là. Ben, sauf que ce ne sont pas mes frères et mes sœurs qui rendent le jugement à la fin. La Bible nous dit bien que nous devons tous passer, comparaître, chacun pour sa part, devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens 5, verset 10. Regardons ce qui est écrit là. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10 dit, car il nous faut tous, ce n'est pas certains seulement. Il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal de condamnation. C'est un tribunal d'examen des œuvres. Regardons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Là, il parle aux chrétiens, hein, c'est aux enfants de Dieu. Il parle aux Corinthiens, dont les enfants de Dieu qui sont convertis. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps. Et le Seigneur ne va pas juste venir récompenser parce qu'on a fait des trucs, il va venir examiner la motivation du cœur. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce qui a animé ce que nous avons fait? Est-ce que c'était la reconnaissance des hommes? Est-ce que c'était pour que les hommes nous apprécient, nous applaudissent? Ou est-ce que c'était la motivation réelle, l'amour réel du prochain, de Dieu, qui nous a motivés à faire tout cela? C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle que nous devons chercher à travailler l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il a commencé d'abord par mettre la lumière, non pas dehors. Il met la lumière dedans. Pour que la motivation soit pure. Je peux avoir une motivation bien intentionnée. Par exemple, je viens exhorter ma soeur. Je venais avec une bonne intention parce que je vois que ma soeur est en train de s'écarter du chemin. Mais je suis maladroit dans la manière de dire. Je vais peut-être la brusquer, je vais peut-être la choquer dans la manière dont je vais le dire. Mais le Seigneur sait que mon intention était pure. Mon intention, ce n'était pas de blesser ma sœur. Mais j'ai été maladroit dans les mots que j'ai utilisés. J'ai été maladroit dans le ton que j'ai utilisé. Oui, là,
Je suis dans un processus de perfectionnement où la lumière qui est à l'intérieur de moi m'a poussé à amener mon frère, ma soeur dans la lumière, mais l'extérieur n'est pas encore totalement dans la lumière. C'est pour ça que ça peut encore être tordu dehors, ça peut être encore maladroit, ça peut être encore... Mais si, quand je viens exhorter comme ça, je viens dans l'intention de décourager complètement ma soeur Jannick afin qu'elle abandonne le Seigneur, je vais lui dire des paroles méchantes, mon intérieur est ténébreux. C'est tellement ténébreux. Donc, et c'est ça que le Seigneur ne veut pas. Donc, il dit que nous allons tous, c'est tout le monde, sans exception, comparaître devant le tribunal de Christ pour qu'on examine nos œuvres. Donc, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans le corps que nous avons ici. Tout ce que j'ai fait par hypocrisie, je pense que c'est passé comme... Non, le Seigneur va examiner ça. Il va mettre ça à la lumière parce qu'il est lumière. On ne peut pas vivre dans la Jérusalem céleste qui est éclairée par le Seigneur sans que tout ça ne vienne à la lumière. Non, ça va venir à la lumière. Soit en bien, ce n'est pas seulement tout ce qui est bien que le Seigneur va relever, soit en mal. C'est aussi écrit. Donc, en mal, ça concerne les enfants de Dieu aussi, hein. En bien et en mal. Donc tout ça là va passer au tribunal de Christ. Donc, vraiment, soyons conscients de l'œuvre que le Seigneur veut accomplir en chacun de nous. C'est pour ça qu'il commence, il ne commence pas par changer tes sourcils dehors, par changer ta coiffure, par changer ta démarche, par changer, je sais pas, tout ce qu'on voit à l'extérieur. Ce n'est pas ça que Dieu change. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Qu'est-ce qu'il change? Il détruit les idoles et il change le cœur qui est mauvais par-dessus tout et incurable. Qui peut le connaître? C'est ce cœur-là qu'il détruit, le Seigneur. Il change l'intérieur d'abord parce qu'il sait qu'en enlevant le cœur de pierre et en remplaçant par le cœur de chair qui est lumière, normalement, tôt ou tard, l'extérieur doit produire des œuvres de lumière, tout simplement. L'extérieur doit aussi produire des œuvres de lumière. Donc, voilà vraiment comment le Seigneur agit. Nous sommes toujours dans le verset. Donc, le Seigneur dit aveugle, pharisien aveugle. Aveugle parce qu'il y a l'hypocrisie là-dedans. Il y a un autre passage qui me vient à l'esprit par rapport à l'aveuglement. Parce qu'on voit à l'extérieur, ça a l'air beau. On dit, oula, merveilleux. Le Seigneur est là. Gloire au Seigneur. Le Seigneur n'est pas seulement là à l'extérieur. Il regarde à l'intérieur. Tout ce qui est fait là, à l'extérieur, de quel intérieur ça vient? Quelle est la motivation? Quelle est la nature de l'intérieur qui a produit l'extérieur que tout le monde voit et dit, c'est beau là. C'est merveilleux. Ce n'est pas seulement l'extérieur qui importe pour le Seigneur. Donc, il y a... Regardons un peu Apocalypse. On revient toujours dans Matthieu. Nous sommes en terre. La Bible s'explique par elle-même. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23, verset 25. Il a dit aveugle. Il y a une église où le Seigneur dit la même chose. Dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14. Il dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Donc, le Seigneur connaît nos œuvres et il ne connaît pas seulement nos œuvres de l'extérieur. Il connaît nos œuvres de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, il connaît ce qu'il y a dedans qui motive et ensuite, il connaît aussi ce que tout le monde voit qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Ça, c'est bonsoir.
mi-jour, mi-nuit, c'est le soir. Moitié ténèbres, moitié lumière. Ça, c'est ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède le soir, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc, pas le milieu. Ensuite, maintenant, il dit, verset 17, parce que tu dis. Donc, c'est toi qui dis et tu te trompes toi-même. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, parfois, on peut faire des choses, on pense qu'on trompe nos frères et nos sœurs qui sont là autour de nous, mais alors que c'est nous-mêmes que nous sommes en train de tromper. Il dit parce que tu dis, tu te dis à toi-même. Parce que tu dis, je suis riche. Riche en bonnes œuvres. Bah, je fais ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ainsi de suite. C'est très bien. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et que parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Aveugle, aveugle. Donc nous devons voir les choses comme Dieu voit, de l'intérieur vers l'extérieur. De la lumière qui brille à l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les gens peuvent ne pas voir un péché à l'extérieur. Mais nous, nous savons que nous avons péché. Même un péché qui n'est pas venu manifeste à l'extérieur. C'est dans notre pensée. C'est dans notre cœur. Nous savons que nous avons péché. Pourquoi? Parce que la lumière du Seigneur est dedans. Elle est à l'intérieur. C'est pour ça que nous savons que nous avons péché. Même si on n'a pas encore vu un acte se produire. Même si on n'a pas encore vu quelque chose de manifeste à l'extérieur, là on dit déjà, Seigneur, je te demande pardon parce que la pensée que je viens d'avoir est mauvaise. Et je sais que si cette pensée-là reste, elle va produire des actes mauvais aussi, des paroles mauvaises, des considérations mauvaises, des pensées mauvaises, ainsi de suite. Donc il faut que je tue ça. Je te demande pardon, Seigneur. Il ne faut pas que... Ça continue à faire chemin à l'intérieur de mon cœur. Donc, aveugle et nu. Et ensuite, la solution à ça. Il a dit aux pharisiens là-bas, pharisiens aveugles. Il dit, je te conseille d'acheter chez moi l'or éprouvé. C'est d'examiner les œuvres. Déjà moi-même, avant que le Seigneur n'examine, j'examine déjà moi-même. Donc, l'or éprouvé par le feu. 1 Corinthiens chapitre 3, c'est le feu qui va éprouver nos œuvres. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perd sa récompense au tribunal de Christ. Donc ici, là, il dit, je te conseille d'acheter chez moi l'or éprouvé par le feu dans l'intérieur. Vois toujours qu'est-ce qui motive. Afin que tu deviennes riche, cette fois-là de la richesse de Dieu, c'est-à-dire que tu produises des œuvres. Mais des œuvres que Dieu approuve de l'intérieur vers l'extérieur. Il approuve ce que tu as fait à l'extérieur parce que la motivation de l'intérieur est bonne. La motivation intérieure est pure devant Dieu. C'est animé d'un bon sentiment. C'est animé de l'amour de Dieu. Donc, il dit ici, afin que tu deviennes riche, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Donc tu achètes de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tu achètes aussi des vêtements blancs. Nous savons que les vêtements de fin lin, ce sont les œuvres des saints, nous disent Apocalypse. Donc il s'agit... des œuvres, les œuvres blanches sont des œuvres de lumière qui viennent de la lumière à l'intérieur et la lumière à l'extérieur. Ensuite, maintenant, afin que tu sois vêtu, donc que tu aies des vraies œuvres qui sont des œuvres de Dieu, pas les œuvres des hommes qu'on voit là à l'extérieur et on pense que ça, c'est vraiment la manifestation
de l'amour de Dieu qui pousse à faire ça, alors que c'est juste parce que tu veux faire devant les hommes afin qu'on ne dise pas qu'un tel a fait ceci, un tel a fait ceci. Mais ce n'est pas la motivation de faire les choses devant l'Éternel, ce qui est bien devant Dieu, ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce n'est pas ça qui te motive, mais c'est simplement pour que un X ou un Y ne dise pas que tel n'a pas fait ceci, tel n'a pas fait ceci, ainsi de suite. Donc, ensuite, ici, là, il dit, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Parce que devant le Seigneur, ce sont des œuvres qui nous couvrent, les œuvres des saints. Mais les vêtements, il y a les vêtements qui sont, comment on peut dire, opaques comme ça, on ne voit pas l'intérieur. Mais il y a des vêtements qui sont transparents. Quelqu'un peut s'habiller de la tête aux pieds. Mais quand il passe, on voit tout l'intérieur de son corps parce que ses vêtements sont totalement transparents, complètement, il laisse voir l'intérieur. Mais effectivement, si l'intérieur est mauvais, si ce n'est pas la lumière du Seigneur qui motive l'intérieur et que c'est juste ton beau blanchi à l'extérieur comme les pharisiens faisaient, ça va donner sur vous, en fait, ça va donner sur nous des vêtements qui sont transparents. Parce que c'est l'extérieur qu'on a embelli, mais l'intérieur est mauvais. Donc l'intérieur, c'est comme si l'intérieur n'existe pas. Imaginons un peu un vêtement à l'extérieur comme ça là. Ça a l'air d'être un vrai vêtement, mais comme l'intérieur est mauvais, ça laisse passer. Quand la lumière vient comme ça, l'extérieur, l'extérieur n'existe plus. Donc la lumière montre la nudité de la personne devant. Pourtant, la personne a un vêtement. Mais comme le vêtement... Le vêtement à l'intérieur est mauvais. La lumière, quand elle vient comme ça, elle traverse. Elle ne s'arrête pas sur le vêtement. Donc, en éclairant comme ça montre l'intérieur, la nudité de la personne. Le vêtement est transparent parce que l'intérieur n'est pas pur. Donc, c'est pour ça que le Seigneur demande ici, afin que tu sois vêtu des vraies œuvres de Dieu où l'intérieur et l'extérieur sont bons et dont on ne voit pas la nudité et que ta honte... La honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux. Le colis, vraiment, c'est l'examen du cœur. Examiner le cœur. Voir comme Dieu voit. Comme ça, à ce moment-là, lorsque je vois que non, là, ce n'est pas bon. Seigneur, aide-moi à corriger tel aspect. Aide-moi à corriger tel autre aspect. Voir comme Dieu voit, c'est le colis pour enlever mes yeux charnels, mes yeux hypocrites et tout ça pour voir vraiment comme Dieu voit. Donc, pour oindre tes yeux afin que tu vois, maintenant que tu vois comme le Seigneur, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime, nous dit le Seigneur ici. Regardons maintenant. C'est là maintenant, il dit, aie du zèle et repens-toi. Le zèle, mais repentant pour les œuvres qui ne sont pas bonnes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas aux païens qui disent ça. Souvent, on utilise ça pour les païens. Mais là, c'est à une église. C'est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est à une église qui dit ça. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quelqu'un qui frappe à la porte n'est pas à l'intérieur, il est dehors. Il frappe de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans notre cœur, ce n'est pas sa lumière qui est dedans. Donc, il veut entrer pour éclairer notre intérieur. Il ne veut pas rester dehors. Ça se trouve, nos œuvres à l'extérieur, on les belles, propres. Parce que Jésus est dehors, en fait. C'est pour ça qu'on voit juste dehors. Mais lui, il veut entrer à l'intérieur de chez nous, dans notre cœur. Allô? Alors, donc, nous étions dans Apocalypse, la suite de la lettre à l'église de Laodicée. Il dit donc, voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Donc, on disait que s'il frappe le Seigneur, c'est qu'il est dehors. Il n'est pas à l'intérieur. Donc, même si l'extérieur allait éclairer, parce que le Seigneur est là, lui veut aller à l'intérieur pour éclairer de l'intérieur. Mais il y a une condition. Il dit, il frappe et il attend qu'on ouvre. Donc, il nous montre. Il dit, ça, c'est mauvais. Même si tu vas à l'extérieur, là, ça a l'air bon. Là, on te dit, non, ça, c'est pas bon, ça. Il faut que tu corriges. C'est pour ça qu'il a mis, répands-toi avant. Donc, il faut que tu corriges. Donc, maintenant, tu es libre. Parce que le Seigneur ne force pas. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il faut déjà que l'oreille soit sensible, disponible et disposée à examiner selon le Seigneur la manière dont nous marchons, la manière dont nous manifestons l'amour à notre prochain, la manière dont nos œuvres sont. Donc, si quelqu'un entend, on peut entendre et on ne fait rien. Je peux entendre quelqu'un qui sonne là, je m'en vais me coucher, je dors. La personne n'entrera pas. Je peux entendre et je me lève, je m'en vais ouvrir la porte et j'invite la personne à entrer. La personne va entrer et va s'installer à l'intérieur avec moi. C'est ça que le Seigneur attend. Il veut vraiment qu'on l'invite à l'intérieur. Viens avec ta lumière parce que mon intérieur, c'est mauvais, j'ai des mauvaises pensées. J'ai des mauvaises œuvres. Mes œuvres ne sont pas bonnes, Seigneur. Si tu éclaires avec ta lumière mes œuvres, on verra que c'est mauvais. Même comme à l'extérieur, ça a l'air bien, ça a l'air spirituel, c'est mauvais de l'intérieur. L'intérieur, la provenance n'est pas bonne quand je l'examine devant toi, Seigneur. Viens et nettoie. Viens et purifie. Donc, ici, il dit, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur va venir, va installer sa lumière. Ensuite, maintenant, il dit, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc, c'est un combat spirituel, même ça. C'est un combat spirituel parce que le malin va venir nous dire que, hé, on te dit que tu es aveugle, tu n'es pas aveugle, mais regarde, tu es un chrétien super spirituel. Alors que devant le Seigneur, tu es zéro comme ça. S'il examine toutes tes œuvres, tout ce que les gens voient là, ça sera consumé tout par le feu. Tout. Parce que le cœur est tordu devant Dieu. Le cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Là, ça ne vient pas de la lumière même de Christ. Ce ne sont pas des œuvres qui viennent de la motivation, l'amour même de Christ pour le prochain. Ça ne vient pas de là. Ça vient de la façade. Ça vient de du m'as-tu vu? Ça vient de je cherche l'honneur de l'autre. Je cherche la reconnaissance de l'autre. Ça vient de là. Donc le Seigneur dit attention au vainqueur. Donc il y a un combat spirituel pour que nos œuvres soient pures, pour que la lumière même du Seigneur vienne de l'intérieur pour éclairer l'extérieur. Et il y a un combat spirituel. Le diable va nous vouloir que nous soyons comme des pharisiens, que nous ayons une belle apparence extérieure, belle en bonne, toutes sortes de bonnes œuvres super spirituelles, alors que l'intérieur du cœur est sec complètement. Le diable va nous motiver à rester avec cette apparence-là. Une apparence, le Seigneur appelle ça dans 1 Timothée. Allons lire exactement le mot que le Seigneur utilise dans 1 Timothée. C'est un signe de la fin des temps. Regardons comment le Seigneur appelle ça. Dans 1 Timothée, et dès qu'à la fin, il y aura des temps difficiles. Je crois que c'est 2 Timothée 3. Voilà, il appelle ça l'apparence de la piété. Voilà, Dieu, c'est un combat à l'escalier aujourd'hui. Bon, mais on va mener le combat spirituel jusqu'au bout. Donc, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, sache que dans les derniers jours
surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Ça, en fait, ici, il révèle l'intérieur. L'égoïsme, ça va se manifester par certains signes extérieurs, mais ça vient d'abord de l'intérieur. C'est moi, 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 d'abord moi. Donc, les temps difficiles, les hommes seront égoïstes. Donc, c'est 2 Timothée 3, de 1 à 5. Ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Tout ce que nous montrons là, ça peut être allé, tout ce qui est ici là. Ça, c'est quand la lumière de Dieu vient frapper dessus. Pourquoi nous disons ça? Regardons ce qui est écrit au verset 5. Ils garderont une forme extérieure de la piété. Les païens n'ont pas besoin de montrer des signes de piété. Ça s'adresse, ce sont les chrétiens qui seront comme ça, ce ne sont pas des païens. Les païens n'ont aucun signe de piété, donc ils n'ont pas de signe de piété à conserver. Mais ce sont des enfants de Dieu dont il s'agit là. Quand on regarde toute la liste, là, on dit, mais ça, les enfants de Dieu ne peuvent pas être comme ça. Ça, c'est l'intérieur qui est comme cela. C'est l'intérieur du cœur. Quand la lumière de Dieu frappe là-dessus, ça révèle ce qui est ici, là. La liste noire, c'est que nous voyons là. C'est le cœur. Quand la lumière de Dieu vient frapper sur le cœur, ça révèle tout ce que nous voyons ici. Donc, ensuite, maintenant, ils garderont la forme extérieur de la piété. La forme extérieure, c'est extérieurement essayer de faire ce qui est bien pour que les autres voient que, ah ben j'ai les œuvres d'un enfant de Dieu, j'ai le témoignage d'un enfant de Dieu. Ah bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse, gloire au Seigneur, Amen, ceci, tout le langage, tout le bon langage là des enfants de Dieu. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas le respect. Tout ce qui caractérise vraiment un enfant de Dieu, il n'y a pas ça en vérité. Il n'y a pas ça dedans. Il y a juste de l'apparence. Il y a juste une forme extérieure. Ah mon frère, ah ma soeur, comment tu vas? Ainsi de suite. Juste, je dis ça pour la forme et je lui redirai ça le mois prochain quand je le verrai. Entre-temps, je ne le cherche pas. Entre-temps... Qu'il aille bien, qu'il n'aille pas bien, ça m'importe peu. Entre-temps, je ne prie pas pour lui. Entre-temps, il n'existe pas pour moi. Mais quand je le vois, oh, sois béni mon frère, ah, tu m'as manqué. Tu m'as manqué alors que je n'ai même pas pensé à toi. Comment est-ce que cela est possible? Le malin espère qu'il va réussir à me faire perdre le fil. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui garde le fil là. Ce n'est pas lui qui garde le fil. Alors, donc, ici, lorsque la lumière de Dieu frappe, donc, ils garderont une forme extérieure de la piété. Donc, j'étais en train de donner un exemple en disant, ah, tu vois, mon frère, tu vois, béni, ah, tu m'as manqué, alors que je n'ai même pas même élevé même un mot de prière pour lui, même une pensée pour cette personne. En fait, quand je l'envoie pas, c'est comme si elle était morte pour moi. Elle n'existe pas. Et quand, oh, mon frère, tu m'as tellement manqué, ainsi de suite. Ben, si j'étais tellement manqué, envoie-moi un message pour prendre de mes nouvelles. Donc, ici, il dit... Ils garderont la forme extérieure. Ça, c'est un travail soigneux de la fin des temps. C'est comme ça que la chair, en fait, la chair essaye. La chair essaye de se cacher. Et c'est ça l'aveuglement spirituel. C'est pour ça qu'il parle de la forme extérieure. Donc, on se ment à soi-même et on ment aux autres, évidemment. Donc, il y a cet aspect extérieur qui reste. Ah! Comment tu vas, ma soeur? Waouh, tu as une belle robe, tu as une belle jupe. Tu avais vu comment la soeur, elle, s'était habillée. Ça, ce n'est même pas, ce n'est même pas, comment on dit encore, ce n'est même pas décent. Regarde comment ça la serrait, ainsi de suite. Alors que toi-même, tu as dit à la personne que ça, c'est joli.
Tu as dit à la personne que ça c'est beau ce que tu as mis là. Mais en même temps, derrière, tu critiques. L'hypocrisie. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Qu'est-ce qui fait la puissance de la piété? C'est la lumière de Christ qui est en nous et qui inspire cette piété-là. S'il n'y a pas la lumière de Christ en nous qui inspire cette piété-là, mais elle est vaine, la piété que nous manifestons. C'est un ensemble de vœux humains. C'est un ensemble comment dire, de vœux des hommes. Si ce n'est pas la lumière de Christ, l'amour de Christ qui... Pourquoi on va par exemple dire que, je ne sais pas moi, un milliardaire qui est philanthrope, qui va aider un village, ainsi de suite, ce n'est pas forcément une œuvre valable devant Dieu. Pourquoi? Parce que quand il va faire ça pour certains, pas tous, il va prendre toutes les caméras du monde entier pour venir montrer ça, pour qu'on dise que cet homme-là, c'est un homme de bien. Mais ça, sa motivation, c'est de gagner ceux qui vont l'aduler là en disant qu'il aide tout le monde, et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous disons que ça ne vient pas forcément du Seigneur. Pourquoi? Parce que la motivation n'est pas pure. L'intérêt, il y a un intérêt derrière qui n'est pas l'intérêt du Seigneur. Voilà pourquoi on va dire que non, ça, ce n'est pas pur. Donc ici, la puissance qu'il y a dans la piété, c'est parce que cette piété-là est inspirée par la lumière de Christ qui habite en nous. Donc, ils renieront ce qui en fait la puissance, ils renieront la lumière de Christ, le jour. Ils renieront ça. Il est dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Finissons dans Apocalypse chapitre 3, nous sommes au verset 21. Le vainqueur, dont il faut vaincre pour garder, fuir l'aveuglement spirituel et avoir les vraies œuvres, les vêtements blancs devant le Seigneur, qui sont des œuvres pures devant le Seigneur, intérieur et extérieur. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. On voit que c'est vraiment un combat qui vaut la peine d'être mené. Hein. C'est pour être assis sur le trône avec Christ. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et ensuite, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler aux églises. Finissons maintenant Matthieu chapitre 23. C'est là que nous étions. Et je vais m'arrêter là-dessus. Tout ça, c'est le bonjour de la sœur Irène qui nous a amenés jusque-là. Sauf qu'elle a dit bonjour le soir. C'est justement ça qui a déclenché ce que nous sommes en train de partager là. Alors, donc, ici, Matthieu 23, nous étions au verset 25 à la fin. Donc, il dit, pharisiens aveugles, on vient d'expliquer l'aveuglement spirituel. Purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Pourquoi? Parce que c'est l'intérieur qui est d'abord éclairé par la lumière de Christ, puisque Christ qui est plus que le soleil, qui est lumière plus que le soleil, d'après ce que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 22, éclaire mon intérieur. Donc il est plus facile pour moi, vu que cette lumière-là m'éclaire à l'intérieur, de purifier complètement l'intérieur. Et il dit, afin que l'extérieur soit aussi pur. Comme nous avons vu, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il dit ça encore une deuxième fois. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. L'extérieur toujours. On soigne l'extérieur, mais venant d'un cœur mauvais. D'un cœur qui n'est pas droit devant Dieu. D'un cœur qui est intéressé. D'un cœur qui fait pas les choses par calcul. C'est ça ton beau blanchi. C'est que les motivations ne sont pas pures. Donc ici, il dit, parce que vous ressemblez à des sépulcres, des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux au dehors. C'est toute l'apparence que nous avons là à l'extérieur. Ah, mon frère,
Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oh, vraiment, gloire à Dieu. Vraiment, ça, c'est l'église du Seigneur. C'est l'église que je n'avais jamais vue. C'est l'église. Quand je vous voyais dans les vidéos, waouh, merveilleux. Ça, je me demandais si une telle église existe. Dès qu'on va te dire, ma sœur, tu as mal marché. Ah, les frères-là, ils sont méchants. Ce ne sont même pas des disciples du Seigneur. C'est l'hypocrisie. En fait, vous vous mentez à vous-même. Celui qui agit, que ce sont les ténèbres qui se manifestent comme ça. Tu ne peux pas être avec des frères aujourd'hui et demain tu insultes ces. Ce n'est pas vrai. Ton cœur était mauvais depuis le début. Allô? Oui, je recommence encore. Je parle de malheur. Nous sommes au chapitre 23, verset 27. Il dit encore, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, alors qu'à l'intérieur, ce sont des ossements de mort et toute espèce d'impureté. Et là, nous sommes encore dans l'hypocrisie. Ah, c'est beau, c'est merveilleux. Waouh, je n'ai jamais entendu la parole de Dieu prêcher comme ça. Ah, ça, c'est vraiment l'église qui marche comme l'église du Seigneur. Dès que les mêmes là que tu dis, ah, vraiment, vous prêchez la véritable parole de Dieu, qu'on va te dire, ah, ma soeur, la parole de Dieu que nous prêchons, la voici, comment il faut mettre ça en pratique. Là, tu n'as pas bien marché. Et essaye de corriger, corrige ça. Ah, vous êtes méchants. Ah, ça, ce n'est même pas l'église du Seigneur. Toutes sortes, du jour au lendemain, les frères que tu bénissais peuvent avoir changé, ils deviennent des diables en même temps. Ça révèle simplement les ossements qui sont à l'intérieur. Il faut qu'on voit avec les yeux du Seigneur. Demandons le colis du Seigneur pour voir la vérité qui est dans nos cœurs. Sinon, en fait, on va se déplacer avec ces ossements-là partout. Nous aurons toujours ces ossements-là partout. Parce que l'intérieur n'est pas pur. L'intérieur n'est pas sain. Tu ne peux pas être avec ton frère aujourd'hui et demain il devient un diable pour toi. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que ton cœur était mauvais. Même toi-même, tu peux ne pas le savoir. Ça veut dire que ton cœur n'était pas droit. Je peux encore dire, sur une action, sur une. Comment dire? Dans une situation précise, ah mon frère, là tu as mal marché. Je crois que là tu as mal marché. Mais je ne peux pas juger mon frère sur un acte sur lequel il n'a pas agi conformément à ce que la vérité veut. Je ne peux pas juger toute sa marche comme ça et dire, mais toi, soit tu n'es pas de Dieu, soit tu. Non, ça veut dire que mon cœur était mauvais vis-à-vis de mon frère depuis le début, vis-à-vis de ma sœur. Mon cœur n'était pas pur devant le Seigneur. Et c'est ça le colis dont parle le Seigneur. C'est que nous devons être vrais les uns avec les autres. Nous devons être dans la lumière pure. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne marche pas avec mon frère qu'il est devenu un diable. Que je ne prie plus physiquement avec ma soeur que c'est devenu un enfant des ténèbres. Ou bien qu'il a fait ça, que je vais l'accuser de ci, de ça. Non. Non. Ça là, en fait, ce sont des ténèbres. Ce n'est pas la lumière de Dieu, ça. C'est tout ça que le Seigneur appelle tombeau blanchi. Parce que si je dis tu es beau, tu es belle, je parle spirituellement, gloire au Seigneur, je vois l'œuvre du Seigneur en toi et tout, il faut que ça soit, que ça vienne vraiment de mon cœur. Si je dis je vois en toi un vrai serviteur de Dieu que Dieu a appelé, il faut que ça vienne de mon cœur, que j'ai prié pour dire ça. Pas que je dis ça et demain quand le même serviteur là va te dire, ah mon frère, ça, ma soeur, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu vas dire, ah, serviteur de malheur, moi je m'en vais, ils se donneront une foule de docteurs, selon les convoitises de leur cœur. 1 Timothée chapitre 4, signe de la fin des temps, encore. 1 Timothée chapitre 4. Regardons.
Tout ça, là, nous vivons ça dans la fin des temps. C'est parce que le cœur n'est pas droit. Tout ça, c'est une question du cœur qui n'est pas... Vous pouvez fuir le Seigneur partout, aller dans n'importe quel groupe où vous voulez. S'il y a la lumière de Dieu là-bas, cette lumière-là va exposer votre cœur mauvais. Toujours et toujours. Si la lumière de Dieu n'expose pas votre cœur, c'est que la lumière du Seigneur n'y est pas du tout. C'est que le Seigneur n'est pas là-bas. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément, c'est l'Esprit qui parle dans les temps de la fin. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes toujours dans les derniers temps, les derniers temps, laissés, observons juste ce que nous voyons dans les derniers temps, dans l'Église, le monde, on voit déjà les signes. Regardons ce que nous voyons dans les... Ça nous montre clairement que le Seigneur est à la porte. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, quelques-uns abandonneront la foi. Ça, c'est la vraie foi en Dieu. C'est abandonner la lumière du Seigneur. Donc, ils ont eu la lumière du Seigneur. Ils ont vu la lumière du Seigneur. Ils ont contemplé la lumière du Seigneur. Allô? Mais ils l'ont abandonné. Allô? Allô, allô? Allô? Il espère qu'il va me décourager et que je vais dire c'est fini. Je ne vais pas me décourager. Je vais toujours persévérer jusqu'au bout. Donc, 1 Timothée chapitre 4, la deuxième partie, il dit abandonne, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, ils vont renier la lumière du Seigneur parce qu'ils avaient cette foi-là avant. Ils avaient accepté la lumière du Seigneur, mais à un moment donné, ils ont rejeté la foi, la confiance au Seigneur, la lumière du Seigneur. Ils ont rejeté ça. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, attacher à des esprits qui vont caresser l'oreille dans le sens du poil, qui vont dire ce qu'on a envie d'entendre, qui vont dire tous les jours, tu es beau, tu es belle, ma sœur, spirituellement. Même si tu vas dans les ténèbres, même si tu es en train d'aller dans la brousse, même si tu es sorti du chemin étroit, on va te dire non, tout va bien, on ne va rien te reprocher. Ça, ce sont des esprits séducteurs. Et c'est ça que la chair aime. C'est ça ce à quoi la chair s'attache, s'affectionne. Quand on la caresse toujours dans le sens du poil, tout va bien, c'est merveilleux. Tu marches très bien dans le Seigneur. On n'a rien à... La plupart de... une bonne partie de ceux qu'on ne voit plus sont ceux à qui on a dit, on a exhorté juste en disant, mon frère, ma soeur, ça, ce n'est pas bon. Ah, vous m'avez mal parlé. Ah, non, ceci. Ah, non, cela, ainsi de suite. C'est ça, s'attacher aux esprits séducteurs. Parce qu'on ne veut pas recevoir. Le serviteur, le frère, il est inspiré de Dieu seulement quand il dit quelque chose qui m'arrange. Le jour où il va dire quelque chose pour redresser, parce qu'il voit que je ne suis pas en train de marcher de la bonne façon, il va me faire la remarque, il va dire, ma soeur, attention, ne marche plus comme ça, voici plutôt, va plutôt dans ce sens-ci. Le frère là, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que tu es même inspiré de Dieu? Est-ce que c'est même Dieu qui t'a parlé? Comme si depuis que tu disais Amen là, c'est un autre esprit qui parlait et toi tu disais Amen. Le jour où il dit maintenant quelque chose qui va dans l'autre sens, c'est là où tu commences à demander. Et c'est même Dieu qui t'inspirait. Le cœur est tordu, il est mauvais. Le cœur n'est pas droit devant Dieu. Le cœur droit devant Dieu, c'est oui et Amen.
On examine bien sûr à la lumière des Écritures, si c'est conforme à la parole de Dieu, c'est Amen. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les esprits qui vont nous séduire, qui vont nous garder avec tout ce qu'on a dans notre cœur, là, l'orgueil, ainsi de suite. Tu es beau, tout va bien, oh, tout ce que tu fais là, c'est bon, il n'y a pas de souci. On va rester avec ça comme ça. Ça, c'est l'esprit séducteur, il ne nous bouscule pas, il ne nous dérange pas, il nous laisse garder tout cela. Et on va aller comme ça devant le tribunal de Christ avec tout ça. Sauf que devant le tribunal de Christ, tout ça, ça va être déballé. Là, la lumière de Christ ne caresse pas dans le centre du poil. Là, on ne pourra pas fuir à gauche, à droite. On sera là, devant la lumière révélée, la vraie lumière. Là, aucun de nous ne pourra fuir. On ne pourra pas aller ailleurs encore et dire, ah, vraiment, ceci, cela. Non. Là, on sera devant le Seigneur, on ne pourra pas partir. Autant mieux que nous corrigeons chacun ce que nous avons à corriger ici pendant que la possibilité nous est encore donnée. Donc, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines qui ne viennent pas de Dieu par l'hypocrisie des faux discoureurs, dont des personnes qui ne parlent pas inspirées de la part du Seigneur, mais qui disent juste des choses pour flatter l'oreille. C'est ça, par des faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Donc, il y a un autre passage, justement, toujours ici, où il dit, alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 4. Voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Au verset 5. Ce sont toujours les signes de la fin des temps dans l'Église, au milieu des enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens, 1 Timothée, pardon, chapitre 2 Timothée, autant pour moi. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 au verset 5. Il est dit, je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son avènement et de son royaume. C'est solennel. Pour dire vraiment à Timothée que ce qui va suivre, c'est impératif, il faut le faire. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Même si tout le monde pleure, prêche la parole. Même si tout le monde n'est pas d'accord, prêche la parole. Si c'est inspiré de Dieu, même si ça blesse, même si ça fait mal, prêche cette parole-là. Parce que c'est le salut des âmes qui est en jeu. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend. Il y a une partie qui est à reprendre. Il n'a pas dit prêche seulement et arrête-toi. Il dit de convaincre. Donc si quelqu'un est d'un autre avis, on vient avec les Écritures, on examine ainsi de suite, on convainc. Si quelqu'un marche en dehors du chemin, c'est écrit reprend, reprend. Il a dit, je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ de reprendre. Hein? C'est ce qu'il dit, de reprendre. Donc quand nous caressons tout dans le centre du poil, nous ne sommes pas forcément dans la volonté de Dieu. Il demande d'exhorter. On exhorte d'abord. On convainc. Et ensuite, si la personne se détourne du chemin, on reprend la personne. Reprendre. Il dit, il adjure, il demande, je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ de convaincre, d'exhorter, de reprendre, que ça soit favorable ou pas. En temps favorable ou pas. Donc ça, c'est le mandat du serviteur de Dieu, sinon il est passé à côté de sa mission. Donc, s'il commence à dire à tout, tu es beau, tu es belle, ainsi de suite, et qu'il voit les failles, il voit et il ne dit pas, il est en dehors de la volonté de Dieu. Il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait de faire. Donc, reprend, exhorte,
avec toute patience, bien évidemment, en instruisant, donc en montrant l'exemple. Donc ensuite, maintenant, pourquoi il dit demande de faire ça? Toutes les instructions qu'il a données là, de manière très solennelle. Il dit car c'est en prévision de quelque chose qui va venir. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Quand on commence à prêcher la vérité, on tape comme ça, non, moi je ne viens plus. C'est fini. Deux, trois, quatre fois. Après, on dit seulement, oh, vraiment, je m'en vais au pied du Seigneur. Parce que ça ne va plus. Ce qu'on entend là maintenant, l'oreille n'est plus prête à entendre ça. Je m'en vais au pied du Seigneur. Et le pied du Seigneur, en fait, on est en train d'aller déjà ailleurs comme ça. Si c'est Dieu qui fait sa gloire au Seigneur. Mais si on est en train de fuir, le Seigneur va toujours nous rattraper. Toujours et toujours parce qu'il nous aime. Si c'est la vérité que nous fuyons, le Seigneur va toujours nous trouver avec cette vérité-là. Parce qu'il a dit qu'il aime et il châtie. Enfin, il châtie ceux qu'il aime. Il corrige ceux qu'il aime. Donc, ici, il dit, tout ça là, il demande de convaincre, il demande de reprendre et d'exhorter en toute patience et en instruisant, parce qu'il y aura un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supporteront plus qu'on leur dise, non, mon frère, là, ce n'est pas bon. Là, ma soeur, non, ça, il faut corriger. Ça, ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu fait. Non, Dieu ne parle pas de cette manière. Un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Voici ce que... Non, ça, on ne supporte pas. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Regardons donc. Mais au gré de leur propre désir. Ce que l'oreille a envie de d'entendre. On va aller maintenant au gré de ce qu'on a envie d'entendre. Frère, prêche-nous sur l'amour. Prêche-nous sur ceci. Donc, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison, l'oreille démange d'écouter. Avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront, c'est écouter des choses agréables, des choses qui chatouillent l'oreille et qui laissent les ténèbres en nous. Les choses qui nous gardent dans, comment dire, dans l'hypocrisie où l'extérieur, la forme extérieure de la piété est là. Et c'est celle-là qu'on voit, mais on est aveugle parce que l'intérieur, on ne voit pas ça. On ne veut pas voir l'intérieur qui est mauvais. L'intérieur qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Or, le Seigneur dit, c'est dedans là. C'est là-bas que la lumière est. La lumière commence à éclairer depuis l'intérieur. Donc, si l'extérieur, toutes les œuvres que tu manifestes n'est pas inspiré par la lumière de Dieu à l'intérieur, par un cœur pur, par un cœur droit, par un cœur soucieux de réjouir le cœur de Dieu par rapport à ce que tu vas produire là, tout ça là, c'est zéro, c'est mauvais devant le Seigneur. Les hommes, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils préfèrent fuir quand ils entendent la saine doctrine. Ils préfèrent partir. Ah non, on m'a mal parlé là-bas. Ah non, on a fait ceci. On va exagérer, mais on a crié sur moi. Ah non, oh, tel frère, il a fait comme ça. Le même à qui tu disais gloire à Dieu, serviteur du Seigneur, ainsi de suite. Le cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Le cœur n'est pas juste devant Dieu. Il faut se regarder, aller se mettre à genoux devant le Seigneur et dire, Seigneur, envoie ta lumière pour me révéler quel est l'état de mon cœur. Quelle est la manière dont mon cœur est disposé par rapport à mes frères, par rapport à mes soeurs, par rapport à ci, par rapport à ça. Notamment, par exemple, quand on veut quitter les frères et sœurs, allons le problème de quitter, c'est ça, c'est pas un souci, mais allons examiner comment est notre cœur devant le Seigneur. À ce moment-là, ce n'est pas quand tout va bien. Quand on commence à ne plus supporter ce que l'oreille entend, allons maintenant devant le Seigneur, on dit, Seigneur, envoie ta lumière pour que ça éclaire mon cœur, pour que je vois réellement dans mon cœur quelles sont les motivations. Est-ce que mes motivations sont spirituelles, viennent de toi? Ou alors, est-ce que c'est ma chair qui ne supporte plus quelque chose? Est-ce que c'est ma chair
qui ne supporte plus parce que mon cœur en réalité n'était pas bien disposé depuis le début. Parce que ta lumière n'avait pas éclairé suffisamment mon cœur pour que mon cœur devienne la bonne terre sur laquelle on envoie la semence. La semence porte 30 fruits, 50 fruits. La bonne terre. Il viendra un temps où les hommes ils ne supporteront plus la sainte doctrine. La même parole que tu es assise chez toi, que tu as écoutée sur Internet, qui t'a nourri pendant tant de temps, quand tu viens t'asseoir ici, tu l'écoutes, après, à un moment, ça te dégoûte, tu commences à insulter ceux qui disent ça. Le cœur est mauvais, mauvais, je nous dis très mauvais devant le Seigneur. Le cœur est très mauvais. Nos cœurs, examinons nos cœurs devant Dieu. Quand on dit Amen, voilà, le message est beau, oh vraiment serviteur de Dieu, ainsi de suite. Non, examinons vraiment nos cœurs à la lumière du Seigneur. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que réellement ce que je dis là, c'est vraiment inspiré du Seigneur? Si c'est inspiré de Dieu, ça ne change pas dans le temps. Ils se donneront une foule de docteurs selon la démangeaison de ce que l'oreille veut entendre. Et ça, c'est un travail de l'ennemi. Pour que nous gardions les rapines qui sont à l'intérieur de nos cœurs, l'intempérance dont parle Matthieu chapitre 23, là, verset 25, et tombeau blanchi à l'intérieur intempérant, c'est pour que nous gardions ça et que nous allions là où il n'y a pas de lumière qui va éclairer ça, afin que ça reste, ces ténèbres-là restent toujours comme ça. Et que la lumière de Dieu ne tape pas dessus pour enlever ça. En fait, ce sont des esprits séducteurs qui font ça. Donc, mais au gré de leur propre désir, donc je vais m'orienter selon le type de message que mon cœur a envie d'entendre. Et ça se voit beaucoup dans cette fin des temps. Dans la marche des enfants de Dieu, ils sont devenus des touristes spirituels. Donc, on n'est pas quelque part parce que Dieu nous y a conduits pour un travail. Jusqu'à ce que le travail soit terminé devant le Seigneur nous dit, voilà, le travail est terminé. Non, c'est qu'à un moment donné, j'ai un besoin particulier de mon cœur d'entendre un type de message. J'écoute ça sur Internet chez moi. Après, je rejoins éventuellement le groupe. Parce que je suis intéressé, avec des motivations impures devant le Seigneur, si je viens parce que je suis juste intéressé et que ce n'est pas Dieu qui m'a conduit, mes motivations sont impures, complètement impures. Parce que mon cœur est venu, parce que c'est le type de message que je veux entendre maintenant. Ça va durer pendant un temps, c'est pour ça que je parle du tourisme spirituel. Ça dure pendant un temps, le temps où c'est ça que mon cœur, mes oreilles ont envie d'entendre. Après, à un moment donné, ça commence à me faire mal à l'oreille. Mon cœur commence à se fermer à ces messages-là. Là, je vais commencer à trouver toute forme de critique. Ah, il n'y a pas ceci. Ah, il n'y a pas ça. Ah, les frères sont ceci. Ah, même les sœurs, même dans le groupe, sont comme ça. Il y a ceci, je trouve. Après, pap, je m'en vais au pied du Seigneur et puis je prends la sortie. En réalité, mon cœur, je ne dis pas qu'on ne peut pas. Il peut avoir des vraies raisons spirituelles où on va au pied du Seigneur et c'est Dieu qui conduit. Je ne parle pas dans tous les cas. Donc, en fait, là maintenant, on va se diriger parce que les désirs de notre cœur ne se portent plus vers ce type de message-là. Les désirs de nos cœurs se portent maintenant vers autre chose. Et si par malheur, par exemple, les frères prêchent en dehors de ce que mon cœur est prêt à entendre maintenant, est prêt à supporter maintenant, je vais dire, bon, ok, vraiment, je vais trouver un moyen de sortie, une porte de sortie, et puis je vais aller pour me brancher à d'autres messages que mon cœur désire maintenant à ce moment-là. Parce que mon cœur, entre-temps, a d'autres types de besoins. Ce ne sont pas les besoins que le Seigneur a identifiés en t'envoyant quelque part que voilà le type de message que tu dois recevoir. Ce sont des messages selon mes propres désirs. C'est ce qui est écrit là. Selon leurs propres désirs. Ce n'est pas selon les désirs de l'Éternel. Or, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins et qui sait
quel type de message nous avons besoin d'entendre. Et il nous envoie quelque part en fonction des soins spirituels dont notre cœur a besoin et dont il a pourvu certains à gauche, à droite. Il leur a accordé les talents, les dons pour pouvoir prodiguer ce type de soins-là. Ce n'est pas forcément seulement ceux qui enseignent la parole. Ça peut être des sœurs, des frères, des sœurs qui ont des témoignages, ainsi de suite, qui vont nous édifier, nous aider à grandir, ainsi de suite. Donc, le Seigneur lui-même nous dirige quelque part parce qu'il sait que là, l'état de notre cœur actuellement a besoin d'être là pour nous amener d'une étape à une autre. Et après, lui-même, il nous fait avancer. Mais ça, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Ce que nous lisons, c'est que c'est au gré de leur propre désir qu'ils vont aller eux-mêmes s'attribuer des mains. Or, c'est le Seigneur qui donne, qui doit donner l'enseignant. Donc, ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Ils se donneront maître sur maître, enseignant sur enseignant. Ils vont de lieu en lieu. Ah, tel frère, je croyais même qu'il prêchait la vérité, tel prêche encore mieux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Comme si c'est la vérité là qui changeait son cœur. Non, c'est le cœur qui est mauvais. C'est pas la parole qui est prêchée qui est mauvaise, c'est le cœur. Le cœur, il n'est pas bon. Jésus même a prêché, des gens ne se sont pas convertis. Jésus qui est la lumière entière. Parce que la terre était mauvaise. La terre n'était pas bonne du tout. Pour certains, ça n'a pas pris. Du tout, du tout. Donc, ils se donneront maître sur maître, enseignant sur enseignant, parole sur parole. Regardons dans le verset 4 de Timothée 4, 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Quand tu disais Amen à la maison, le Seigneur t'a dit oui, ce que tu entends là sur YouTube, c'est la vérité. Va chercher cette vérité-là. Maintenant, quand tu viens de près, tu entends cette vérité-là, tu fermes l'oreille et tu détournes l'oreille de la vérité pour aller vers ce que ton cœur désire. Parce que tu pensais que c'était juste une vérité de surface comme ça concernait les autres. Maintenant que le message auquel tu as dit Amen s'applique à toi, et qu'on te dit non, ma soeur, ça là on a déjà enseigné, ça ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, là ça devient un problème. On détourne l'oreille, ils détourneront l'oreille de la vérité. On a entendu, on ne peut pas contester avec la parole de Dieu, on ne peut pas dire que, ah non, mes frères, mes soeurs, ce que vous m'avez dit là, ça ne vient pas de la parole de Dieu, ce que vous dites, c'est en contradiction avec les Écritures. Non, on n'a pas de mobile, mais on détourne l'oreille quand même, c'est la vérité, mais on détourne, non, ça là, je ne veux plus entendre ça. Ils détourneront les oreilles de la vérité. On ne peut pas se détourner de la vérité et rester comme ça. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Si je me détourne de la vérité, qu'est-ce qui va venir? C'est la séduction. Ce n'est que ça. Si je laisse la vérité, le Seigneur m'a servi la vérité, je me suis détourné de la vérité, qu'est-ce qui va venir? C'est la séduction. Ils s'attacheront aux esprits séducteurs. Ils abandonneront la foi et s'attacheront. Dès que tu abandonnes, tu t'attaches à autre chose. Tu détournes l'oreille de la vérité et tu ouvres l'oreille à l'erreur. C'est ça ici là qui dit, ils se tourneront vers des fables. Ils vont se tourner vers l'erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui leur a donné ce docteur-là. C'est eux-mêmes, selon leur propre désir. Ils se donneront maître sur maître. Ils se donneront eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné ces maîtres-là, c'est eux-mêmes. A contrario, il dit, mais toi, sois sobre. Sois sobre. En tout, supporte la souffrance. Ça, c'est pour des encouragements pour les frères qui sont amenés à supporter tout ça. Sois sobre toujours en tout. Supporte les souffrances. Sachant que les comportements que nous venons de citer là des brebis entraînent énormément de souffrances pour les conducteurs. Énormément, comme vous ne pouvez pas imaginer. On peut se dire, ah, ils s'en foutent de... Non, attention. Il y a beaucoup de souffrances dans le cœur.
Vous ne pouvez pas imaginer quand tu prends quelqu'un, tu le trempes dans les eaux du baptême, tu commences à l'enseigner, quand tu vois la manière dont il marche, tu lui dis non mon frère, non ma soeur, tu n'es pas en train de bien marcher, et puis t'envoies balader ou bien tu vois le comportement, ça fait mal, ça fait énormément mal au cœur. Ça fait mal au cœur. On dit Seigneur, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est comme ça? Beaucoup de souffrances. Supporte les souffrances. À cause de ce que nous voyons là, ils détourneront l'oreille à la vérité. Ça entraîne des souffrances que l'apôtre, il prévient Timothée, qui est jeune dans le service du Seigneur. Il lui dit, ça va arriver, il faut que tu supportes. Ce sont des souffrances qui vont arriver. Il faut les supporter. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Ça, c'est ce que le serviteur de Dieu doit continuer à faire. C'est de remplir bien son service, continuer à prier pour les âmes, pour que les personnes ne se détournent pas de la vérité, qu'ils restent toujours accrochés sur le chemin étroit, ainsi de suite. Mais ça se passe dans la souffrance, parce que malgré le combat dans les prières, ce n'est pas toujours le cas qu'on arrive à garder chaque brebis sur le chemin étroit. Il y en a toujours qui veulent s'éloigner, ainsi de suite. Donc, finissons dans Matthieu chapitre 23, où il a dit au verset 27, où il a parlé de sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dedans, mais au dehors, mais au dedans sont pleins d'ossements, on a déjà dit de mort et toute espèce d'impureté. C'est ça. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste, mais ce n'est pas juste devant Dieu. Vous paraissez juste aux hommes. Veillons à ce que nos œuvres ne soient pas devant les hommes. Vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans de vous, au-dedans, c'est la lumière qui est devant le Seigneur. Au-dedans, vous êtes rempli d'hypocrisie et d'iniquité. Rempli d'hypocrisie et d'iniquité. Donc, veillons à ce que vraiment, comme la sœur nous a dit bonjour tout à l'heure, que nous demeurions vraiment dans la lumière du jour et que nous ne basculions pas dans les ténèbres de la nuit. Donc, vraiment que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup de choses encore à dire par rapport à la lumière du Seigneur, sur le fait que la lumière est venue au milieu des siens, comme on lit dans Jean, mais les siens ne l'ont pas reçue. Ils ont préféré rester dans leurs ténèbres, ainsi de suite. Que cela ne soit pas le cas pour nous, mais vraiment persévérons dans la lumière du jour du Seigneur, parce que c'est celle-là qui nous fera cheminer vers la Jérusalem céleste. Ce n'est pas sur un autre chemin que nous allons aller. Marchons dans la vérité. Comme notre maman nous dit souvent, honnêteté, franchise, intégrité de cœur, ainsi de suite. C'est ça. C'est ça qui conduit vraiment. On peut ne pas avoir toute la connaissance de la part. D'ailleurs, personne n'a toute la connaissance. On peut ne pas avoir une grande connaissance, j'ai même envie de dire, de la parole de Dieu, mais si on est sincère de cœur, si on est vraiment droit dans notre cœur, si on est pur en vérité dans notre cœur, comme je disais, même si on n'a pas une connaissance importante de la parole du Seigneur, si notre cœur est droit, intègre devant le Seigneur nous gardera toujours de tous les maux, de tous les chemins tortueux et qui ne sont pas du Seigneur. Donc, cherchons toujours à demeurer dans la lumière du Seigneur, tel que nous voyons là dans Jean, que la lumière, Jean chapitre 1, la lumière est venue au milieu des hommes, verset 4. Donc, en elle était la vie,
la lumière. En elle était la vie. C'est dans la lumière qu'il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Donc lorsque nous fuyons le contact avec la lumière, c'est parce que il y a des ténèbres en nous, mais que nous préférons garder encore. Il y eut un homme, nous sommes dans Jean 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Christ qui est la lumière qui vit à l'intérieur de nous, afin que tous croient par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Nous sommes de ceux-là que la lumière est venue pour éclairer de l'intérieur. Donc, travaillons pour que dans notre cœur, qu'il n'y ait plus de ténèbres, puisque la lumière est venue nous éclairer de l'intérieur, afin que l'extérieur aussi soit éclairé. Pas que l'extérieur paraisse éclairé et que l'intérieur est dans l'obscurité. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue, la lumière. Amen. Je vais prier. Seigneur éternel Dieu de grâce, Père, nous voulons encore nous incliner devant toi, Seigneur Père, pour te rendre grâce et te témoigner notre reconnaissance, Seigneur Père, parce que Éternel Dieu, tu vois notre misère et tu viens encore à notre secours. Seigneur Dieu, pardonne-nous encore parce que, Seigneur, nos cœurs ne sont pas purs devant toi. Éternel Père, nos cœurs ne sont pas encore éclairés par ta pleine lumière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Non pas parce que tu ne veux pas nous éclairer, mais parce que nous avons choisi de garder une partie de nous, de nos cœurs dans les ténèbres, Père, nous te demandons pardon pour cela. Éternel, viens, éclaire-nous totalement, Seigneur Père, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous manifestons à l'extérieur soit pur de l'intérieur, Seigneur Père. Sois vraiment illuminé de ta lumière intérieure, car tu as dit que tu es venu habiter en nous, Seigneur Père éternel, afin que nous soyons toujours éclairés de l'intérieur et que toutes les œuvres que nous manifestions à l'extérieur soient aussi inspirées par la lumière qui vient de l'intérieur, Seigneur Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vois comment bien souvent il y a un décalage entre les pensées du cœur et ce que la bouche prononce ou les œuvres que nous produisons. Père, nous voulons te demander pardon, Seigneur Père éternel. Viens nous aider vraiment, Seigneur Père, à manifester, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la pleine lumière que tu as déposée en chacun de nous. Viens redresser également tout ce que nous pouvons encore faire maladroitement à l'extérieur, alors que nous sommes bien intentionnés et voulons bien faire, Seigneur Père éternel. Viens nous aider encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ce que ta lumière resplendisse aussi à l'extérieur, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, nous laissons tout cela devant toi. Seigneur Père, tu vois encore nos insuffisances, nos manquements. Viens à notre secours, Seigneur Père. Supplée à notre faiblesse. Viens nous fortifier encore, que ton esprit nous conduise en toutes choses, Seigneur Père. Donne-nous l'amour pour la vérité. Donne-nous de fuir
Seigneur Père, la démangeaison des choses agréables, mais recherchons toujours, Seigneur Père éternel, ce qui soigne notre âme, Seigneur Père, afin que, Seigneur Dieu, notre âme puisse prospérer à tous égards et croître véritablement, spirituellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car c'est cela même que nous voulons. Nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, grandir spirituellement, maturer, être formé vraiment, Seigneur Père, afin d'être prêt lorsque ta trompette retentira, Seigneur Père éternel. Voilà, Seigneur Dieu Tout-Puissant, garde-nous sur le chemin étroit, continue à nous instruire. Seigneur Dieu, que ton esprit nous conduise en toutes choses. Rends-nous aussi sensibles à la voix de cet esprit, que nous puissions comprendre ce que ton esprit nous montre et nous dit, Seigneur Père éternel, afin de faire pleinement ta volonté. Merci encore, Papa. Merci pour tous ceux et celles que tu as conviés pour ce partage, Seigneur Père. Que vraiment ton esprit inspire toutes nos paroles, Seigneur Dieu. Que tout, Seigneur Dieu, ne soit que pour l'édification de ton Église, Seigneur Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.